Hey, I'm Ben the Learner, je suis Ben l'Apprenti. Today we're gonna do again some gardening. Aujourd'hui un peu de jardinage. We're gonna work with basilic. C'est la journée du basilic. So this is a bilingual episode. Aujourd'hui je vais vous parler du basilic. Je vais vous montrer à quel point cette plante est extrêmement puissante. This plant is very powerful. You can just cut half and then you put in water and you recreate another set of plants. What I will do, ce que je vais faire, is to literally, like other plants, cut it half. Donc je vais couper les plantes à la moitié, je vais mettre la moitié dans l'eau et je vais remettre l'autre moitié à l'extérieur. Why I'm cultivating basilic? Well, I have birds and they like to eat some green plants. And I read that basilic was good for them. Donc je vais offrir du basilic à mes oiseaux. Je vais cultiver le basilic. Now let's do it. Let's cut the basilic and put it in the water. C'est l'heure de l'opération. L'heure de l'opération, operation time. Do I use scissors? Non! Ne pas utiliser les ciseaux. Il est écrit qu'il valait mieux pincer la tige. Have to pinch the stem. It's better. Apparently, I read that on internet. Internet is an incredible source of information. So what I'm gonna do, I'm gonna start with this one. So I removed the larger leaf because I don't want them to need too much water. Donc j'enlève les grosses feuilles parce que je pense que c'est mieux comme ça. Ça n'a pas besoin de tirer trop d'eau. Alors, du basilic vert, du basilic noir. Eh bien, je vais continuer comme ça et je vais vous revenir après. I'll continue and I'll come back. Ah, so I did the operation. As you see, I didn't cut everything because sometimes the stem is not long enough. Donc, j'ai pas tout coupé parce que des fois, la tige n'est pas assez longue. So now I'm gonna put that outside and it's gonna be more wind resistant. Parce que les feuilles sont plus petites. Si les feuilles étaient toujours aussi grosses, bien le vent rentre dans les feuilles et puis, oh, c'est voilà, la plante disparue, la plante aurait de la misère à survivre. Ouais. En passant, je ne suis pas du tout botaniste. I'm not a specialist at all, I'm just having some fun. So if you have a comment, if I say stupidity, please just correct me. Now, we have a plant special, a guest today. Nous avons une plante spéciale, une invitée, et je vais vous la présenter. Enfin. Voilà! Voilà une plante, elle est vraiment laide. It's ugly. So I'll try just to multiply it by cutting the stem. Moi, je vais la multiplier, on voit qu'elle a eu de la misère. Donc, couper ça, mettre ça dans l'eau. Mettre ça dans l'eau. Mettre ça dans l'eau aussi. Et we never know. Maybe it's gonna survive. Maybe it's gonna just go up from the ground. Let's see. So it was Ben the Learner. C'était Ben the Learner. And we're gonna see in a few weeks what's the result with this and this. And I hope to have a lot of big basilic plants. Donc j'aimerais avoir une quantité extraordinaire de basilic. See you next time. And don't forget, learn something.